L'héritage marquant de la religion, et plus particulièrement des Sœurs de la Charité, est ce goût pour la culture chez la population. Carleton ou Tracadiège deviendra donc un pôle majeur de la culture dans l'Est du Québec et sa renommée sera grande. La culture n'est jamais loin de l'éducation. Plus on s'instruit, on s'éduque, bien, le goût pour le théâtre va naître. Ils vont faire du théâtre, ces gens-là, forcément, ils le font. Donc, ils apprennent à lire, ils apprennent à compter, ils apprennent à tenir maison, hein, les jeunes filles, alors, et tout et tout. Alors, forcément, ça va amener un intérêt pour le domaine culturel. C'était plus agréable de vivre à Carleton, à Tracadiège. Donc, il y avait des notables qui se retrouvaient là par l'excellence, la beauté du lieu. Je pense que la beauté du lieu était importante. Et il y avait une clientèle de la haute bourgeoisie canadienne-française. Cette bourgeoisie y trouvera son compte en matière de culture ici. Il faut aussi considérer que les Acadiens et leurs descendants sont attachés à leur tradition et sont fiers de la montrer, tant par la tradition orale, l'accent ou les mœurs au quotidien. Les raisons pour lesquelles c'est si fort ici à Carleton, il y a des raisons historiques là, évidentes, la structure de peuplement, les Acadiens, qu'on connaît comme étant un peuple bien au fait de leur tradition et de la conservation de leur tradition, en même temps que toujours un regard vers l'avenir aussi. Le fait aussi qu'à Carleton, c'est un haut lieu d'éducation là, dans la baie des Chaleurs. Les filles étaient éduquées. Hein. Il y avait le couvent, là, le vieux couvent de Carleton. Et ça, c'est un facteur clé dans une population donnée. Quand les femmes sont éduquées, il y a comme un niveau qui est là. Alors, j'attribue ça aussi au fait, les Acadiens, l'éducation, au fait aussi que les traditions se conservent, se perpétuent. Et même s'il y a des traditions par rapport à la pêche, entre autres, là, moi, je suis toujours étonnée de voir là, que la pêche à la Seine sur le banc de Carleton, on peut encore le montrer là, à chaque virée, à chaque festival de la virée. On peut constater comment c'était fait au début du siècle passé, comment était faite la pêche au saumon à la Seine. Alors, c'est des traditions. Alors, pourquoi les gens gardent l'équipement? Pourquoi on est capable... Les jeunes sont capables de faire revivre cette tradition-là de leur grand-père. Alors, il y a tout comme un mouvement qui est vraiment intéressant à ce niveau-là. Les gens sont très articulés. Et peu importe le secteur d'activité, les gens sont intéressés à faire vivre les traditions et à avoir un devoir de mémoire. Il y a un devoir de mémoire ici incroyable. Les Sœurs de la Charité, c'était certainement le groupe le plus influent de ce niveau-là. Mais, par exemple, le développement du théâtre à Carleton, au niveau de la polyvalente, c'est un jésuite, le père Robitaille, qui arrivait avec tout un background de formation, qui avait joué qui avait été entraîneur, qui avait été meneur sur des troupes de théâtre d'influence à Montréal, surtout père Robitaille. Et ce qui donne la piqûre à une personne comme Mireille Allard, par exemple, puis à d'autres, tu sais. Et ayant formé les grands-mères, puis les mères, si vous voulez, tu sais, la pomme tombe jamais loin du pommier, là. Ça se continue. C'est ça qui est arrivé. Les gens à Carleton ont beaucoup voyagé, même au 19e siècle. Ceux qui s'occupaient de la pêche, ceux qui étaient sur les goélettes, c'est des gens qui en ont vu d'autres, qui ont vu beaucoup de choses, qui sont revenus. Le fait que c'était un lieu de vigiliature aussi est intéressant. Alors, ça amenait le tourisme, amenait les gens à l'accueil. Les Acadiens sont des... C'est comme des survivants, là.
C'était des gens qui étaient toujours en lutte. Puis pourquoi qu'on était snob? Bon, moi, OK. Le fait aussi qu'il y avait des notables qui venaient ici, parce que c'est la même chose, ce fait-là. C'est lorsqu'il va avoir, je sais pas, à Rivière-du-Loup, à Morébé, à Charlevoix. Tu sais, quand il y a un état... quand un lieu est beau, une autre hypothèse, lorsqu'un lieu est beau sur la terre, ça va nous donner un certain prestige d'habiter un lieu. Tu sais, nous autres, on est... c'est vrai, ouais, c'est vrai. On est... nous sommes comme ça. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont été déterminants à promouvoir la culture et qui continuent à le faire. Et puis, il y a toujours une relève là-dedans aussi. Quand je pense à la tradition de théâtre à Carleton, avec une troupe semi-professionnelle, le clandestin, qui était soit... ils ont fait leur je sais pas combienième pièce là, qu'on a pu voir la semaine dernière. Au niveau musical, combien d'artistes, combien de musiciens... combien d'amateurs de musique, musique de toutes sortes. On a une offre assez élargie qui touche toutes sortes de musiques et auxquelles les gens répondent très, très bien. Carleton a aussi été, depuis plusieurs décennies, un lieu de rencontre des artistes de la ville lors de leurs vacances à la mer. De plus, ils sont nombreux ceux qui se sont produits sur les planches du théâtre du village. L'offre culturelle a toujours été une préoccupation des citoyens pour eux, mais aussi pour touristes et villégiateurs. C'est tout juste s'il n'y avait pas une minute de silence. On a pu voir des Annie Girardot, les Ballets de Tahiti, Manitas de Plata. Il est venu ici à Carleton, Manitas de Plata. C'est incroyable, les grands noms, qu'est-ce que je vous dirais? Tous les chanteurs français, la plupart sont venus. On a eu vraiment une offre. Dans ces années-là, c'était absolument incroyable. Et ça continue. Mais des gens de Carleton, ils sont habitués à voir aussi, à côtoyer des artistes de renom. Et d'une façon très accueillante, très simple. Et c'est ce qui fait le cachet, hein, de Carleton. La seconde radio à entrer en ondes au Canada a été CHNC de New Carlisle en 1932, juste après CKAC à Montréal. Dès cette époque, les moyens de communication se sont développés partout au pays. Mais il faudra attendre l'avènement de la télévision en 1959 à Carleton pour voir toute la Gaspésie porter un regard sur elle-même. La télévision en Gaspésie, ben, c'est d'abord l'histoire de Charles Hood, qui était un dentiste de New Carlisle. Alors, Charles Hood a fondé la station CHNC en 1933. Lorsqu'il a vu apparaître la télévision au Québec, la première station de télévision au Québec a été fondée en 1952. C'est CBFT Montréal qui appartenait, qui a été fondée par la Société Radio-Canada. Hein. Et à ce moment-là, dans les années 50, les régions, la plupart des régions rêvaient d'avoir leur station de télévision. Hein. À ce moment-là, lorsque la station Show TV n'était pas ouverte avant l'année 1959, parce que notre première émission a été diffusée le 17 octobre 1959, il y avait certains gens dans la région qui avaient des antennes, qui avaient des postes de TV dans leur maison. Hein, et ils pouvaient capter, en orientant l'antenne, là, ils pouvaient capter certaines stations américaines du Maine, hein, qui étaient déjà en opération à ce moment-là. Et finalement, ils ont été en onde le 17 octobre 1959, vers la fin de l'après-midi. Des stations de télévision qui se construisaient à ce moment-là étaient proches de leur antenne.
Je rappelle que les systèmes micro-ondes n'existaient pas. Donc, vous avez juste à faire une comparaison avec la station CFCM Québec à Sainte-Foy. Elle n'est plus là actuellement, mais au cours des dernières années, elle était à côté de son antenne, tout près de son antenne. Donc, à ce moment-là, les prouesses techniques ne nous permettaient pas de mettre la station plus loin que l'antenne, la principale antenne de diffusion. Alors, étant donné que le site du Mont-Saint-Joseph était un site stratégique de communication de premier ordre, c'est un site qui permettait d'avoir une couverture vraiment exceptionnelle de la baie des Chaleurs du côté de la Gaspésie et du nord du Nouveau-Brunswick, on a décidé donc d'implanter cette antenne-là qui a été construite à Ajax, en Ontario. C'était la plus grosse antenne de l'époque pour une station de télévision. Hein? Et ensuite, là, par la force des choses, étant donné que le câble de l'émetteur ne devait pas être trop loin de la station, hein, on a décidé de construire la station sur le Mont-Saint-Joseph à Carleton à une altitude de 2000 pieds. Grâce à CHAU-TV en particulier, les gens de la Gaspésie et du nord du Nouveau-Brunswick pouvaient avoir un regard sur leur réalité. Et toute cette vitrine provenait de Carleton. Le village était une fois plus sur la map, est reconnu. La télévision a changé la vie de la plupart des gens sur la planète, hein, parce que ça nous a connectés à nos réalités locales, à nos réalités nationales, à nos réalités internationales. Hein, puis à ce moment-là, ça a permis des débats d'idées, ça a permis une diffusion de l'information locale qui, hein, à la télévision, est un produit qui est très, très, très recherché, dont les gens tiennent vraiment, hein, notre information locale. Hein. Alors, je pense que la télévision a permis une plus grande démocratisation de nos sociétés, hein, et particulièrement en région. Bien, parce que les régions, écoutez, je vous dirais juste de couper le signal d'une station locale en télévision du jour au lendemain. Alors, juste écouter le bulletin du soir, une revue de la journée au niveau des actualités, ils savent qu'entre 6h et 6h30, ils vont avoir un bulletin local d'information. Puis c'est à ce moment-là qu'ils vont prendre connaissance de toute l'information là, qui a fait les manchettes durant la journée, les principales nouvelles. Là. Alors, si on n'est pas au courant, si... on est peu informé des dossiers de nos régions. Comment voulez-vous que les gens aient un sentiment là, d'appartenance là, par rapport aux régions dans lesquelles ils vivent? Hein? Alors, je pense que la TV a suscité ce sentiment d'appartenance-là de manière très forte dans les régions. La venue des autres médias comme Radio-Québec, la station communautaire SUFM et les correspondants de Radio-Canada ont créé une effervescence dans les années 80 et 90 qui a renforcé le statut de ville médiatique pour Carleton. Le journal Le Soleil a aussi son collaborateur et plusieurs journaux régionaux sont très actifs dans la région. Carleton, c'est une ville de communication, hein, au départ, parce qu'elle possède des sites de diffusion vraiment adéquats, exceptionnels, je dirais même, avec le Mont-Saint-Joseph. Hein. Donc, on pense à SUFM lorsque cette station-là a choisi un site pour s'installer dans la baie des Chaleurs. Je crois bien que son implantation à Carleton s'est faite très, très, très naturellement, hein, à cause de, justement, la disponibilité des sites de diffusion. Hein. Et évidemment, Show TV était déjà là, donc ça identifiait la ville de Carleton comme une ville particulièrement développée au point de vue, hein, des communications et tout. Et le plus grand nombre de journalistes étaient dans la baie des Chaleurs. Et je pense que ça a toujours été le cas. Le pourquoi, je ne saurais pas te répondre. Peut-être qu'il y a un dynamisme culturel plus grand ici qu'ailleurs, ce qui fait que les médias ont tendance à s'y installer plus. Puis, Carleton particulièrement, Show TV, qui a été la première station privée à faire de l'information, a attiré son lot de jeunes journalistes, puis ça a été une pouponnière pendant plusieurs années.
Puis le fait qu'il y ait une station aussi importante, bien, peut-être que ça a été un attrait pour les autres médias pour s'y installer, là. Plus près de nous, les temps modernes ont aussi amené de nouveaux moyens de communication avec Internet, le télétravail, la numérisation de l'information. Les gens du coin sont là pour relever ces défis en termes de communication et de production de contenu. L'arrivée d'Internet donne la possibilité aux différents organismes, aux villes, aux élus, de se faire valoir directement auprès des citoyens. Et je pense que ça nous bloque, ça fait en sorte que l'intérêt public se sent servi, puis a l'impression qu'elle peut se passer des journalistes, à mon avis. Puis c'est pour ça que les médias ont de plus en plus de misère à se faire une niche dans tout ça, parce que faire de l'information, c'est comme plus populaire, c'est comme plus important. Je pense que c'est une pensée magique, là, parce que là, quand l'élu ou l'organisme ou l'entreprise va directement porter son message aux citoyens, bien, il dit bien ce qu'il veut y dire. Donc, le journaliste qui est en quelque sorte le ouais, le quatrième pouvoir, puis Félix Leclerc disait la sentinelle d'une société, ben et puis les citoyens ne voient plus la nécessité qu'ils soient là. Aujourd'hui, avec l'avenue de l'Internet, avec l'avenue d'une foule de choses, il y a des médias qui sont plus affectés là, par l'Internet, d'autres un peu, d'autres moins. Ben, je pense qu'on va revivre un peu l'histoire des dernières années. Hein. Lorsque la TV est arrivée, on a dit que c'était la mort de la radio, que c'était la mort des cinémas, et on a encore des cinémas aujourd'hui, on a encore des stations de radio aujourd'hui. Là, on nous dit que l'Internet va tuer la plupart des médias traditionnels. Moi, je pense que la plupart des médias traditionnels ont réussi à s'adapter au fil des ans. Hein. Et encore aujourd'hui, la part d'écoute des médias traditionnels, même si l'Internet n'est pas rendu à son apogée, mais elle est quand même très, très bien développée au moment où on se parle. Vous savez, la télévision est encore écoutée 28 heures en moyenne par semaine au Canada.